Mbote, bah Congolais, mbote particulièrement à tous les Congolais. Pourquoi Nolobi à tous les Congolais, les Kinois en particulier? Parce que la radio-télévision Voici l'Homme, chez nous, tous allez consacrer l'émission Masolo Mboka, tous allez mettre Bongo à partir y a ville, province, y a Kinshasa, mais Masolo Mboka, Ezali Manaka, et Tali Bongo, bah Congolais, Nyon Sobi, pa Ibion Sobi no Bozali, émission Ezali destinée pour Nabino, bah Ibazali, Awa, na République démocratique du Congo, bah Ibazali de par le monde, parce que Congolais, Ezali Sosopem, Bazanga Rambokate, partout Congolais Bazali, en Europe, bah Congolais Bazali, en Amérique, bah Congolais Bazali, en Océanie, pe na Asie, pe bongo na bongo, bipa ibiso, oyo borozoa bongo, occasion tope libaku, ya kota la bongo émission na bino, masolo ya mboka, tozali ko le kapé na nzela ya YouTube, obeti tota to la télévision, okota la émission yo en plusieurs rediffusions. Alors, actualité tope ba dossier nini toko traité na émission alelo, bo ebiete actualité na République démocratique du Congo, miso ya mokili mobimba ezali bongo awa parce que le roi des Belges, le couple royal, ezali bongo roi Philippe pe reine Mathilde, bazali bongo depuis 2 jours ici en République démocratique du Congo, bakosa la bongo 6 jours, bakotambola, bakokende Lubumbashi, bakokende pe na est ya République. Kasi banje ezali nini parce que ba politique bazali ya kokabwana, ba mosusu bazali pour boye ya roi, balobi ezali page ya sika. Tope ya monene ya mboka na biso République démocratique du Congo ezali kofungwama, mais ba mosusu bazali komona vraiment tina na yango te, balobi ete Belgique parmi makambo pe salamaki na niveau ya Nations Unies, tope ba complicité oyo ezali contre RDC yé pas ezali bongo membre, eh bien bazali ko ndima penza te ko accepter présence na Bolanda ki communiqué avec Nabiso Lisanga Bonganga ndenga pesa ki peut ezali point de vue. Et donc ba Congolais baza partager tokoyo ka lecture et invité à l'élo. Examen à loi électorale na seconde lecture kuna na parlement na niveau ya Sénat et ça li peut kokende toujours na ba problème et ezala ki bongo niveau ya Assemblée nationale to mona ki ndenge ba ndeko ya opposition tope groupe ya G13 ba o bazali na moboko penza ya loi oyo ya proposition ya loi oyo ba ki bongo na kobima boza ko mona délice sanga kuta komi ko sensibiliser ba Congolais na terrain. Mais au niveau ya Sénat pe ba ndeko ya ba sénateur ya FCC ba ki na ko sécher bongo plénière. Est-ce que politique y a chaise vide ou y'a qu'au foot en ballot, t'es habité, t'es qu'au solo là, yango, et puis processus électoral, n'est-ce pas qu'on vous allez qu'au kende, Denis Kadima, Azakoule la misolo, parce qu'à part frais de fonctionnement, c'est n'est-ce pas misolo, moussous, ou pour na, organisation élection, n'est-ce pas qu'on va quitter électoraux, c'est n'est-ce pas, et puis déploiement matériel, bongo na bongo, bo ebite ba matériel, l'autre, c'est l'aigle, n'a tant qu'à la misous, c'est allé penza, na etate nini toko solo yango lelo. Est-ce que ndongo boko mona makambo ko kende na 2023 election ko zala toko glisser mituna toko solo la lelo parce que election sengele salama ndenge constitution za koloba 90 jours avant bongo installation ya mukonzi ya sikato pe ya suka ya mandat ya mukonzi za na pouvoir toko beta masolo na ndeko Georges Milumbu bolinga ka epe mingi moi mikolo ya bungi biso moi presque moi azaki na biso te to retrouver les sources yango to sengi te to solo na ndeko Georges Milumbu Mbote ndeko Brad, mbote na balandi nyonso ya TVH. Boni mikolo mounanite, ozalaki ya boni Congo, boni ba masolo nyonso. Il faut moutou nyonso a soto prendre en charge. Olonata pundu na katikati ya lopango na yo, parce que la gestion telle qu'elle va, c'est pas évident que batou ebele bazala na eloko ya kotia na monoko. Il faut vraiment tout s'auto-prendre en charge. Bah, conséquence de la guerre à Ukraine, la Russie. Non. Notre lâcheté, notre paresse, hein, au moins, tout ça, ma belle est très fertile, tout ça, il y a un sommet, Congo, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau dans 50 ans. Tout n'a même un ministre à plan, tout n'a pas. Azana a été dans 50 ans aux Andéni. Projection. Donc, tozo vivre à Neti, soso, boutou et koti, to lali, to lamouki. Voilà. Donc, tozo a surpris na ba événement, na gestion événementielle. C'est pourquoi on a lobby, na par nangai, j'y sensibilise aux Congolais, au lieu de croiser les bras, attendre que, mpio di ekotunda, to kolia 3 fois par jour, 3 fois par jour, et koya na moussala na yo. Faut prendre des initiatives. Très bien. Voilà. Alors, nous avons 3 dossiers. Au Tolingito Solola Yangolelo, il y a Liboso et Zaliette.
arrivé à couple royal, tout le banane au banjeu, parce que ça a créé maintenant polémique au sein de la classe politique. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Non, mais ça n'est bon. Mais nous avons un point de vue, une lecture par rapport à Boyé et à couple royal à la RDC. Oyebi, système nyon sosoki et mati, soka soka et silaka. Système capitaliste et sauvage, ils ont qu'une découle qui s'abat limite na ango il faut ici là. Au moni guerre les loya ya Ukraine. Monde ils ont qu'une na créer équilibre. En principe boye ya roi, ils a pôle occidental, ils ont l'ukandenge ni ni qu'on continue qu'on maintenir Afrique, particulièrement le Congo dans la pauvreté. Parce que si le Congo se développe, cette Belgique là va déménager ici. Bazoya pour na komona soki les Congolais sont pensés bazo kanisa ndenge nini bazo sala nini. Donc c'est une façon de nous espionner dans notre paresse. Donc ça non événement pour ngai marche vers l'indépendance ya mboka na biso moni bakoko na biso baba kataki bango maboko à partir de grand père, la politique à grand père naye pourtant voyez pour moi la première des choses c'est présenter les esquisses publiquement. Mais à l'objet dans des termes aussi simples. Vous avez regretté, vous avez regretté par rapport à ce que vous avez dit. Pour l'engagement, vous avez requis la marche vers l'indépendance. Vous avez l'indépendance, vous avez fait là. L'indépendance, vous avez Laurent Désiré Kabila a fait là. Vous avez Mobutu a milité pour l'engagement. Vous avez Joseph Kabila dans ces dernières années, notamment par loi électorale, qui a organisé l'élection dans Makoki Nabiso. Démarche, vous avez. Ils ont reculé. Donc, marcher vers l'indépendance, ils ont reculé dans le mode de la diplomatie. Yaboye. Moi, je sais, Natambula Kabamboka wana. Je n'ai jamais vu visite à président Nabiso. Je mets au défi quiconque de l'IDPS. Ceux qui basi batiata affiche même na bureau, ya ceux qui y a nani na Belgique, ceux qui m'ont conseillé Nabiso, à ceux qui ne connaissent. Ils ont un non-événement. Il vient à Kiti, à Kenabiro, ce qui a Koyamba, Mananani, à Kei. Sociétés ont fonctionné normalement. Sociétés, elles ont fonctionné normalement comme rivière, elles ont coulé sans rien arrêter. Mais Awa, tout ça, l'inéti, journée chômée payée. Toutes les institutions mobilisées. Tout le monde a dit même, ça, dans les réseaux sociaux, communiqué à rapporteur, il y a l'Assemblée nationale. Nous sommes encore des bons élèves de la colonisation. Et moi, je ne suis pas partisan de cette école. C'est pourquoi je dis, tout réformer le système éducatif Nabiso. Tu vois, ne fût-ce que mentalité, l'autorité, nous sommes pas à la disposer que tant que roi, il y a tout à mobiliser. Et ça, c'est qu'il y a colonialisme. Et c'est le mécanisme facile à Kolongolango. Et ça, système éducatif n'a ni une religion. Ce qui t'a changé compréhension à système éducatif Nabiso n'a religion. Les Congolais vont être libres et koya ya muto ya zo luka dile na Congo pour que mboka na ye continue à survivre to écarter ango définitivement te. Parce que la Belgique est en perte de vitesse. Tout ce qu'ils vont, je pense, ils vous diront que la Belgique il y a 10 ans, 20 ans, ce n'est plus la Belgique d'aujourd'hui. Et si nous avons un leadership fort, ces rois-là commenceront à venir comme notre président va généralement en Belgique, même dans ses courses privées. Ils vont chercher des business ici. Mais on leur donne encore l'occasion qu'on se comporte comme s'il était roi du Congo aussi. Il y a quelqu'un qui m'a même posé la question, quand on annonça que Lobela Masolo est arrivé à roi, quand le roi arrive comme ça, banane ba ko tracé parcours naé que pourquoi seulement à l'est, pourquoi seulement à Lubumbashi, pourquoi pas au Kasai, pourquoi pas à Kisangani, pourquoi pas au Congo central, nan banane ba sala ka traçage ya bisika ya kokende. Nous vous disons que tout ça na problème ya capitalisme sauvage. Guerre à Ukraine ils ont ka ko créer équilibre mondial. Pour les spiritualistes, ils comprennent que tout ça na era verso. Le bien est en train de venir. Équilibre mondial, il faut exaler. Maintenant, Poléa, États-Unis, Belgique, France, ils ont résisté au capitalisme sauvage. Oyo, bakabou yabande ko loba keza, disons, bani ba impérialiste, non? Lelo, ba impérialiste,
nous devons changer notre système éducatif. Le seul moyen, il y a Kolongola, esprit, si la Belgique vient, c'est pour nous sauver. Le roi vient pour les intérêts de son pays qui est en perte de vitesse. Mais entre les pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Si la Belgique vient pour intérêts, alors intérêt à RDC, Naboye, il y a roi, il y a Belgique, et Zanetinine. La RDC n'a rien à gagner. Comment ça? La RDC a seulement à perdre. Tu vois, dans les rapports que tous ont développé na Bango, tous ont kanisa baza supérieure. Omoni, ils ont fait sa Bango avantage. Et nous, nous sommes encore à genoux. Nous, on ne pouvait pas pleurnicher dans Nzala, dans Mboka. On ne pouvait pas. Omoni, si situation ya est wana. C'est parce que jusque-là, dans le Baka, tout ça, on a promis un capital humain. Si les gens qui ont détourné l'argent au Congo, va créer une entreprise dans l'espace d'Afrique centrale, wana, surtout à l'Est. On va absorber tous ces jeunes-là au Bazo Lingabé, Kokuzalaba, Mélis et consorts. Si quelqu'un a du travail, même dans l'église, si quelqu'un a du travail, est-ce qu'il y a des gens au courant de la semaine Kokuzalaba fait des prières? Non! Tu vois? C'est parce que les gens n'ont pas du travail. Et nous, Congolais, c'est pourquoi j'ai dit à l'entrée de jeu que nous ne pensons pas dans 50 ans Congolais, vous en dénigrez. Tous aussi tout cas. Eh, M23, ils ont les autres. Eh, Nani, Kabila, Naham, Katumbi, Bayokani. Eh, Kabouy, Kabounduna, Félix, Bakabouani. C'est tout. Tous ont vivre de manière événementielle. Si nous créons l'emploi à l'Est, les jeunes Rwandais n'ont pas du travail. Ils vont venir légalement ou comme des réfugiés encore et enregistrer, identifier comme tels. Les gens n'ont pas besoin de la guerre. C'est notre mauvaise, notre incapacité de bien gérer le pays qui nous amène, c'est ce qui nous amène. Voilà. On peut contourner l'impérialisme pour que nous soyons dans les relations gagnant-gagnant. Mais si nous devons dire, oh Mobutu Makimboka, Kabila Makimboka, ça c'est le langage des faibles et des incompétents. Dubaï, Israël, désert. C'est parce qu'un jour, Dubaï a connu un homme qui a une vision. Les lobbysonios donc de Dubaï. Hein? Japon, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que le Japon a connu des hommes, un bon capital humain. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à part nous plaindre? Parce que Kabila a mis un bon espoir ici. Voilà, on va rester na. Tu vois na, comment est-ce que les esprits faibles ne comprennent pas? On va rester na Boye, il y a couple royal, peut-être une dernière préoccupation. Quel sens yoza kopé ça na acte ayeba ki na kosala hormis discours ayeba ki na kotika statut symbolique hein, masque moko symbolique au niveau ya musée national et puis par la suite ebite ba biloko na biso mosusu culturel et ozonga mais ça là qui acte symbolique yo sens ni opé si na yango et puis ayeba ki na kodécorer moko ya ancien combattant c'est quand même geste oyo ya grande facture yozo pe ça mo sens ni sur le plan spirituel. Les Congolais devaient comprendre que le pouvoir nous est remis tout changer approche, tout développer culture n'abuse pas jusque là actuana. À travers actuana. Il nous a laissé mais ça c'est le moi que vous êtes maintenant des acculturés, je vous remets votre culture. Vous voyez, nous vous avons arraché tout ce qui était de bon pour vous, culture d'abino, religion d'abino, nous vous avons arraché, nous vous remettons. Et seul outil est un système éducatif. Mais ça n'a jamais constitué une priorité des priorités dans les gouvernements qui se succèdent. Dans les discours, on en parle, mais dans les actes, rien. Tu comprends le message que... Moi, je comprends le message dans ce sens-là. Si ce n'est pas dans ce sens-là, c'est juste loisir. Loisir. Oui. Et acte à découvrir mon quoi ancien combattant. Quand même, la force publique, donc le bac moi reconnaître a été mon salaire bien na Roussal. Alors il y a deuxième guerre mondiale et puis ils ont ça a été moi longo n'en a fait des sept. Moi je ne suis pas. Tu vois que je suis noir. Je ne suis pas complexé. Très bien. J'ai étudié dans les universités de ces gens là. Dans leur langue, ils n'ont pas été mieux que moi. Ce n'est pas par un acte des soi-disant blancs, c'est seulement parfois des actes pour... Moi, ce que je retiens, c'est le symbolisme de la remise de notre culture. Qu'on puisse intérioriser ça et qu'on transforme ça dans notre façon de... C'est pourquoi je dis chaque jour qu'une autre RDC est possible. Mais les gens ne comprennent pas
le sens de cette philosophie là, hein, de cette phrase. Une autre RDC est possible si nous réformons notre système éducatif avec notre culture. Nous formons un Congolais qui a son identité face à n'importe qui. Vous voyez l'acte que Kabila a posé, par exemple, qu'on suspendre ceux qui ont maison Schengen et Tikaki. Tu sais combien est-ce que la Belgique a souffert pour ça? Mais lorsqu'on parle à la télévision, c'est comme si les choses étaient bien là-bas. La Belgique a beaucoup souffert, a beaucoup perdu. Et si nous... Donc c'est ça la marche vers l'indépendance. La Belgique doit venir négocier chez nous en étant à genoux. Dans le contexte actuel, la Belgique semble montrer qu'elle est debout. Et nous sommes là à genoux avec notre diplomatie. Malheureusement, c'est ça le symbolisme que nous avons. Très bien. Voilà, là c'était donc le premier dossier. Monsieur Georges Mouloumbou, qui est notre invité, il a donné son point de vue en tout cas par rapport à l'arrivée à Couple Royal en République du Congo, plateau Etikali à Kofungwama. Je crois que prochainement, nous allons aussi recevoir quelqu'un qui pense contrairement à Netiye. Alors, ça peut être un jeu sur le plan positif, hein, selon Yé. Parce que l'analyse, elle sera vraiment libre. Ce qui, ils allaient avoir gain pour la RDC. Parce que nous savons que entre États, il n'y a pas de question d'amitié, il y a une question d'intérêt. Donc, roi Belgique a se déplacé ailleurs avec autant de journalistes, avec autant de officiels, c'est parce qu'il y a un gain par rapport à voyage au Pôna Belgique. Alors, quel est le gain de la RDC par rapport à tout ça? On a noté également une note, le billet était remise. Il y a masque on est allé symbolique, donc on nous remet notre culture. Et donc, t'as la bisota en tour, bah, c'est le biso, ni n'étourosa, là, en gros. Plusieurs années, n'amusa tervirène, bah, bomba, ou est allé, bah, masque, bah, richesse, bah, valeur culturelle à RDC, bah, conserver un gros bien. Est-ce que biso a tourouillé, bah, n'a qu'on prendre soin d'un gros pied, écoute, ça biso, le rambo canabiso. Voilà. Moutou n'étikaliwana. Examen, il y a loi électorale dans la seconde lecture. Le camboua loi électorale, proposition à loi électorale, yo, Sali ma kambwe belé na niveau à chambre basse, et sali ba sitting, et sali ba marche, ba député moussousou ba séché, ou esali bon assemblée nationale, ba bimina ba ou libana, na bato ba yaki na yango groupe ou ya G13, ba ngon pe baza satisfaite, na ndenge ma kambwe za ko salama. Mais ma kambwe ba yaki na kozala voté au niveau assemblée nationale, et ke bon à seconde lecture na Sénat. Même situation dans le Sénat, lobby, avant-hier, ba sénateur à FCC, ba ngon pe ba claquer porte, politique à chaise vide, vous t'arrêtez, de Georges Mouloumbou, lecture. Oui, ce qui est vrai, lorsqu'on applique les mêmes méthodes avec les mêmes acteurs, les résultats restent les mêmes. Les kabilistes sont devenus aujourd'hui des tshisekedistes. Vous pensez, ce sont les mêmes méthodes qui ont fait que les mêmes kabilistes reviennent malgré ne pas être bien élus. Parce que ça a été déclaré par un des responsables de l'IDPS que bah, député Bazaki bien mal élu. Et les mêmes personnes là, qu'est-ce que vous voulez? Ils doivent faire le conservatisme. C'est ça que moi je déplore du régime qui a donné beaucoup d'espoir aux gens. Ce changement ici, malgré, il a été ce qu'il a, il a été, mais ça a donné beaucoup d'espoir aux gens. Malheureusement, l'immobilisme, le passéisme, le conservatisme caractérisent les régimes. Vous pensez que bah, tu vas vouloir partir? Mbosso, malgré ayant, il est le seul député de son parti. Vous voulez qu'il ne revienne plus? Et tous ces gens-là. Maintenant, c'est du FCC. Ils trouvent que leur méthode les échappe maintenant. Et puis de la mauvaise manière. Vous voulez qu'ils acceptent ça? Donc, par exemple, bimater parce que loi électorale, les alliés n'ont pas article, les autres, c'est pas ça. Mais, bah, bima parce que, bah, on en dirait, moi, injustice par rapport à Bango. L'injustice, c'est-à-dire quoi? Cette loi, ils n'ont rien changé de consistant. Les suppléants restent les mêmes. Seuil. Hein, bah, réduire quand même un peu. Hein? Bah, il y a le cambois genre et tout. Disons, innovation, il y a genre. À part ça, ils n'ont rien changé d'autre. Publication, bureau par bureau. Publication, ils ont co-affiché par bureau. Compilation, là, centrale électorale. Moi, si Nayo, mécanisme à fraude. Mécanisme à fraude, Wana, ils ont bien établi dans l'élection 2018. Ils ont dit textuellement.
Vous pensez que ceux qui ne sont, seront plus bénéficiaires de leur système vont être contents? Et on va laisser les gens qui ont profité de cette approche, qui vont profiter encore calmement. Mais eux, ils disent que loi ou proposition loi ou ils ont souffrir dans le Cambodge allié à consensus parce que élection est telle car bah député au bazar parlementaire bah au bazar les bandes bazar politique bah on peut tel bah il fallait une large consensus c'est ça le problème bah, au sein. Tant qu'on a le bazar, le changement est une loi, les gens ne me comprennent pas. Félix était opposant de Joseph Kabila. Vous pensez que il n'y avait pas les gens pour l'écraser totalement pendant qu'il était opposant, pendant qu'il était sans garde? Aujourd'hui, c'est lui qui devient avec des gardes, non? Le changement est une loi. S'il pense à ce que je dis, tous nous disons, nous allons nous obliger d'être humbles. Dans le cas d'espèce, je suis en train de conseiller au président actuel. Disons-lui sincèrement que le pays est très mal dirigé. Le pays est très mal dirigé. Oui. Et ça crée beaucoup de frustrés. Tu sais que l'histoire de M23... Si ça venait par une autre tribu congolaise, cette guerre-là avancerait sans problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Okay. La guerre... Tu vois cette mobilisation générale ici. Ce n'est pas parce que les gens sont d'accord avec le mode de gestion de Félix. C'est parce qu'il s'agit du Rwanda. C'est ce qui amène tous les Congolais à résister contre cette approche. Mais les modes de gestion restent un problème ici. C'est pourquoi je suis en train de proposer gratuitement. Comme il ne va pas négocier avant la fin, parce qu'il finira par négocier. Si les élections ne s'organisent pas, il va négocier. Si le FCC est en train de faire ce qu'il fait là, ce n'est pas gratuit. L'IDPS était sans argent dans l'opposition. Mais le FCC a des millionnaires. Tu vois, Mbio Dinenge Ezomat, c'est parmi les opérateurs économiques des millionnaires congolais du FCC qui bloquent parfois les choses et les gens ne comprennent pas. Ah bon? Et pour ça, il faut qu'ils fédèrent la gestion. C'est pourquoi moi, je viens de proposer gratuitement qu'ils donnent du pouvoir au cash, que Kamer ait le pouvoir utile comme son partenaire. Pas quelqu'un comme ses amis-là qui sont autour de lui. Comme un partenaire politique qui peut l'aider. Je dis bien fédérer avec d'autres acteurs politiques. Et en première position, Kamer, il peut bien l'aider à glisser calmement. La justice, c'est pas encore fini quand même. Mon cher, vous pensez que dans vous tel que vous êtes là, 10 000 dollars peuvent sortir de ces... Disons, une émission peut se réaliser sans votre quitus et un journaliste se soit arrêté pour ça? Monsieur, nous sommes dans quel pays? Très bien. Kamer, c'est un homme sérieux, honnête. Le président l'a dit, non? Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre encore autrement? Il n'a pas volé. Vous comprenez, le chef de l'État dit, c'est un homme honnête et sérieux. Et sous le plan politique, ce monsieur a un leadership utile. Il a l'expérience de tous ces politiciens-ci qui embrient Félix aujourd'hui. Et qui peuvent bien l'embrier. Vous savez ça? L'M23 était disparu, non? Vous savez pourquoi l'M23 doit venir? Pourquoi? S'il finit avec l'M23, il doit fédérer la gestion de ce pays. Ça, je suis en train de dire profondément, mais les gens peuvent se limiter aux phrases. Il faut qu'il fédère la gestion. Que les gens, que les Katangais se retrouvent que, ah, nous sommes là. Je ne sais pas qui. Pas des faux politiciens à Katangais. Il y a des faux politiciens à Katangais. Pas quelqu'un qui ne pèse que devant sa femme, vous lui donnez de grandes responsabilités. Vous pensez que vous maîtrisez les Katanga? Ou au sud Kivu, ou bien le grand Kivu, vous prenez les maillons faibles, vous les amenez au soleil, vous pensez que... Mais malgré tout ça, Ndeko Georges Milombo, vous pensez que Kotika, Assemblée nationale, et pas Kotika, Parlement, Sénat, et pas Iwapi, examen, loi, Isaac comme Malibanda, tout le monde, on a eu des pèses pendant plusieurs années, politique à chaise, vie de foot à rater, tant que nous avons séché, on va évoluer, ils sont majoritaires, ils vont voter, puis la loi électorale est compte en vigueur. Le contexte est différent, je reviens encore sur ça, le contexte est différent. L'IDPS était dans l'opposition sans moyens de sa politique. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant que l'IDPS est au pouvoir, il a trouvé que toutes les mines sont entre les mains des gens du FCC. Comme étant des actionnaires parfois majoritaires. Qu'est-ce que
ces militants sous les arbres comprennent de ça. Mais lui, le président de la République, avec l'entourage sérieux, doivent comprendre ça. Ce pays ne peut pas se diriger comme sous Mobutu. Ou moins encore, tu vois ce Kabila le père. Il a tenté ça, Mbemba est sorti, hein, Roubero est sorti, tous ces gens sont sortis. Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais, qu'il n'y a pas de Congolais qui sont patriotes, qui aiment bien que ce pays soit dirigé dans l'unité et pour le bien de tous? Si on vous comprend bien, donc il faut un large consensus. Le pays est mal dirigé. Étant mal dirigé, le pays, le président doit fédérer la gestion avec d'autres Congolais. Je suis très sérieux pour ça. Là, vous parlez de dialogue, mais sous une autre forme. On n'a pas besoin du dialogue. Mais quand vous dites fédérer, mon cher, vous pensez que dans ce pays, un seul parti peut gagner les élections? D'abord, tous les partis sont tribaux. Il n'a pas besoin d'une minute pour expliquer. Quand vous parlez de fédérer, c'est dire, vous voyez par exemple pour les grands Kiv, les seuls leaders charismatiques, il y a Matata Ponyo, il y a Kamere. Pour les cas d'espèce, les grands Kiv ont besoin de Kamere. Bon, il y a un problème de justice. Okay. Mon cher, vous prenez. Parce qu'ils ont rebondi aussi sur le grands Bandundu. Les grands Bandundu. Il y a des gens comme de Muzito, il y a des gens comme Minaku et bien d'autres. Les grands équateurs, l'espace, disons, de la province orientale, les grands Kassai, il est là déjà, c'est déjà dominant, les grands Kassai est dominant partout. Maintenant, il faut fédérer la gestion avec d'autres espaces. Fédérer la gestion. La gestion du pays. Tu vois la Cour constitutionnelle, c'est quel espace géographique? Et le quoi le... Ça va se passer comment? Vois. Sous quel format? Quel article de la Constitution doit-on mettre sur la table pour que tu fédérer gestion en Moka, vu. Tout mon ça, toi, un état de droit. Mon cher, quel état de droit? Au Parlement. Hein? Kabound est parti, non? Pour remplacer, on a dit, c'est exclusif, c'est pour l'espace du Grand Kassai. Qui a décrété ça? C'est la Constitution? C'est la politique, non? Si il décidait que c'est les grands bandits qui prennent, comme Mbosso est là, qui est des grands Bandundu. Ça se passerait ainsi. Mbosso qui est président de l'Assemblée nationale par le miracle de l'Union sacrée. Voilà. Un seul député. Tu vois comment est-ce que le président est trop fragile. Parce que les mêmes députés qui ont été corrompus, ils peuvent encore être corrompus et faire n'importe quoi. Il était là parce qu'il était le plus âgé lors de la petite transition et puis on l'a maintenu à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la solution, c'est de fédérer la gestion. On a besoin de leadership fédérateur. Qu'il prenne Kamer, qu'il lui donne le pouvoir qu'il faut, il va espérer faire le second mandat sans conflit, dans la paix, parce que Kamer, c'est un talent politique. Il peut bien gérer tous les autres, comme il a géré tout ce temps ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Congolais comme Kamer ou plus que Kamer? Ça, il faut revenir. Maintenant, au même nom. L'incomble, c'est que est-ce que Félix me connaît, moi? Il ne connaît pas ce que je peux. C'est pourquoi nous lui proposons les gens que lui peut connaître. Parce que c'est comme ça que le choix s'est fait, non? Il a choisi ses amis autour de lui. Sur base de quels critères? Par de bonnes études? Ou par leur passé? Non! Tu vois? Alors, pour ne pas dire, prenez-moi. Je dis, est-ce que vous pouvez prendre Kamer? Qui peut un peu baisser la tension pour que la confiance soit fédéré dans tous les espaces géographiques envers lui pour qu'il soit réélu, hein, tant bien ou soit qu'il crée, qu'on sache qui va être, disons, son dauphin. Parce que ce pays ici, nous devons militer pour qu'il reste uni et indivisible. Très bien. Le Rwanda, devant l'unité des Congolais, il n'en peut rien. N'est rien. C'est bon. Voilà, on va terminer avec le dernier dossier. Oyo, vu examen, il y a loi électorale, Ningeza Rokende, vu le temps, hein, par rapport à la Constitution, 5 mandats Mogoizan à 5 ans, renouvelables. Alors, ce totali, Mikolonde Zarokende, totali, on est à moins de 500 jours pour l'organisation de l'élection. 2023, ils année à Souka pour un premier mandat, au Mokonzambo Kazali Gossala. Il faut obligatoirement, selon la Constitution, il faut qu'il y ait une élection. Et puis, mon cas article, Zarokende, c'est qu'il faut organiser une élection 90 jours avant la fin du mandat. Nous avons que la feuille de route.
il y a CENI, mais jusque-là, pas de calendrier. Et puis, frais de fonctionnement, Isarobima, mais vous avez entendu dernièrement, ministère des Finances, Mbongo, CENI, ça crée des problèmes, mais jusque-là, tout l'an d'agripe, speech, il y a Denis Kadima, vous avez président, il y a CENI, jusque-là, Mbongo, Penza, pour n'agosser le processus, jusque-là, Isarobima, n'a moins cocoso. Alors, comment on a Makamwana Nyonso? Pensez-vous réellement que na 2023, na date, n'est-ce qu'on constitue Isaroloba, dans une élection? Comme nous sommes dans la démarche pour mettre fin à notre, pour briser la marche de l'indépendance, nous ne pouvons organiser les élections que sur volonté, disons, de l'Occident. Les États-Unis, la France, la Belgique nous imposent. Comment ça? Là, nous organisons les élections. Parce qu'ils vont aussi donner les moyens, imposer les moyens. Mais nous avons dans ces pays, hein, à l'époque de Kabila, on a organisé les élections sans, avec fonds propres. C'est ce que je dis que. Cet élan-là est en train d'être brisé. Tu vois comment est-ce que les rois arrivent, toutes les institutions paralysées, ils vont recevoir un roi. Notre marche vers l'indépendance est brisée. Si c'est pour organiser avec les moyens propres, avec le capital humain congolais, nous irons au dialogue. La recette est au matin, réserve Mati. Maintenant, pour te convaincre, toi et convaincre la maman là qui est à Masangambi là, qui recette est mati, et ça koyoka ke, à cause ça là, enrôlement à Belecteur na moi songolo. Nde ako comprendre que, ne ma recette est mati. Ba la kisi nyoso, ba futami. Ba kisi est comme, ne sans sa recette et pas abis au peuple. Vous comprendre que ma projet à Bilanga est côté dans 3 mois, de Kolia. Bandunda na banin. Aussi longtemps que biloko wana ezate, tika lika na ba discours kuna na ba biro na bango. Les peuples ne croiront jamais en ça. Donc, ba élection, si c'est sous la coupe, disons de l'impérialisme qui a été décrié par les régimes pendant l'opposition, là on peut faire les élections. Mais est-ce que c'est pour son avantage? Moi je ne crois pas. Si nous devons le faire avec nos moyens propres. Oui. Et je vois, c'est ça le plan qui est plus cultivé par le régime. Nous irons au dialogue et un petit glissement. Et le seul acteur qui va sauver la navire, c'est Sekamer. La seule personne. Comment? Qui peut aider Félix à sauver la navire. En faisant navire. Quoi exactement, M. Georges Mounouyan? Mais ça d'abord qu'on parle de tête. Fédérer la classe politique pour regarder dans une même direction. Seul Kamer peut le faire. Pas ces gens-là qui les trompent autour de lui. Les pacificateurs. Les pacificateurs. Donc, ce n'est pas gratuit qu'il a ces noms-là. Vous voyez. Mais, bah, vous reprochez, Bino, il y a un de Komoro, il y a ACP, il y a un de Komoro, Union Sacrée, il y a une opposition, société civile, peu indépendant. Vous n'êtes pas prêt pour les élections, vous avez une élection. Il y a un fédéré, donc en quelque sorte, dialogue, et par la suite, vous voulez un glissement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? D'abord, une question personnelle, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes candidat? Êtes-vous prêt pour les élections? Moi, je suis prêt pour être candidat président de la République. Seulement, tel que la loi électorale passe là, ça ne rassure personne. Nous aurons un président, on ne saura pas il a eu combien de voix. Ce sont les voix qui seront proclamées par le président de la CENI seulement, lui seul. Et il n'aura pas de soubassement pour convaincre tous les Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous aurons des députés qui seront proclamés à la CENI. Moi, j'étais candidat à Lukunga, non? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait pour que la population m'accepte? Je n'avais pas... Ce n'est pas par la corruption. Et tout cet investissement-là, vous verrez, il y a des députés, même lorsqu'ils ont été invalidés, ou même pas leurs femmes n'ont pas été contentes pour célébrer leur victoire. Mais ils sont là, députés. C'est cette crainte-là qui doit porter tout Congolais sérieux, digne et crédible. C'est dire, est-ce qu'il faut répéter les mêmes plats avec Nanga? Voilà. Vous comprenez? Donc la loi électorale-là ne rassure personne qui est sérieux. Très bien. Donc une personne sérieuse ne peut pas porter cette loi telle qu'elle est, qu'elle passe là. Parce que c'est les mêmes plats de 2018 qu'on va répéter. Monsieur Georges Milumbu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité.
Voilà, ma solo mboka mana kanabino e komi vraiment na suka bosil kolanda ndenge to sololi lelo nandeko Georges Milumbu a pesi ezali point de vue naye par rapport à ba sujet d'actualité. Toza kozela pe yo contacter biso na numéro na to koyamba yo to koyoka pe yo point de vue na yo nyonso wana ezali pour que Congo ekende liboso. Voilà pourquoi to bengi émission na biso na kombo ya Masolo ya mboka. Tokutani bongo na numéro prochain na invité mususu. Merci beaucoup.